Messieurs, dames, à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce mercredi. Nous sommes donc à Kinshasa où nous sommes en train d'émettre. Merci à toutes et à tous, vous tous qui nous suivez des parlements. Nous sommes là donc pour vous permettre de comprendre l'actualité de façon approfondie. Eh bien, avant de présenter mes invités et mes sujets du jour, je m'en vais d'abord présenter quelques lignes d'actualité telles que nous avons retenues aujourd'hui. Le sénateur Matata Ponyo sur France 24 a déclaré, c'est comme suit, je cite, « La loi Tchani est inappropriée, les poursuites judiciaires contre Matata Ponyo, c'est pour lui éviter d'être candidat, la loi Tchani c'est pour éviter à Katumbi d'être candidat, c'est inadmissible, il était gouverneur pendant une dizaine d'années, il était congolais, aujourd'hui qu'il est candidat à la présidentielle, il devient étranger. » C'est en substance quelques lignes que nous avons prises pour vous présenter. La CENI a annoncé au travers d'un communiqué la clôture définitive de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs le lundi 24 avril sous toute l'étendue du territoire national et dans les 5 pays sélectionnés pour la phase pilote concernant les territoires de Kwamout dans le Maïndombe, Massissi, Nyiragongo et Rutshuru au Nord Kivu ainsi que dans la commune de Maluku. Dans la ville de Kinshasa, l'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs et tributaires à l'amélioration des conditions sécuritaires, a déclaré le président de la CENI. Avant d'ajouter qu'à cette occasion, la CENI annonce que plus de 46 millions de personnes ont été enrôlées en l'espace de 4 mois. Un record, l'a signalé le président de la CENI, Denis Kadima. Autre nouvelle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a ouvert le mardi 24 avril un séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement. Une séance, un séminaire qui prendra 2 jours et sera axé sur l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Nous accordons les moyens financiers à la CENI sous base des moyens que nous avons. Notre objectif est que les moyens financiers ne soient pas un prétexte pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les élections doivent s'organiser dans le délai. Il n'y aura pas de retard, a fait savoir Nicolas Kazadi, ministre des Finances, au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. Voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons retenues pour vous ce matin. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, une nouvelle fois, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Je suis avec 3 invités sur ce plateau. Un de la résistance, voilà, comme il souhaite qu'on l'appelle, résistance par opposition, et 2 de l'Union sacrée, la grande majorité au pouvoir. Monsieur Yves Badioko, je commence avec vous. Bonjour, monsieur Yves Badioko. Bonjour, Dan. Merci pour l'invitation. Cadre de l'ECIDE, de Martin Feuille. Effectivement, cadre de l'ECIDE et de la MUCA. Nous continuons à nous battre pour le pays, mais avant, je voudrais quand même présenter mes condoléances à un camarade du parti, Dieudonné Kabuna, qui a perdu sa mère. Nous attendons le programme des obsèques pour apporter tout notre soutien dans le cadre du parti et dans le cadre des relations personnelles que nous avons. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjo. Je rendais vers vous incessamment pour un biscuit, hein, avant de prendre... Maître Freddy Mwamba, bonjour. Vous êtes aussi de la FDC, de la grande majorité au pouvoir. Bonjour, maître. Bonjour Dan, et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs friand de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Ouais. Je salue le professeur Modeste Bahati, l'initiateur statutaire de notre regroupement, et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les souffles de vie, parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et okay, j'espère que les débats que nous avons avoir, les débats que nous allons offrir aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison aujourd'hui sera un débat qui va s'axer fondamentalement sur le bon sens, qui est la chose la mieux partagée du monde, je l'espère. Et à l'issue de cette émission, j'espère que nous aurons réussi véritablement à atteindre cet objectif axiologique, c'est-à-dire axé sur les valeurs. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, maître Freddy Mwamba. Monsieur Joël Mbombo, bonjour aussi. Bonjour, monsieur Dan. Vous êtes du MLC. Oui, je suis Joël Mbombo, cadre au sein du Mouvement de Libération du Congo, parti cher au président Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui le VPM de la Défense. Je les salue là où il se retrouve. Je salue aussi toutes les autorités du parti.
Je profite aussi par cette même occasion de saluer, n'est-ce pas, les amis que nous partageons, les plateaux, et puis tous les Congolais qui nous suivent de partout, ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube, en tout cas, je vous salue. Je crois qu'on va faire un débat qui sera à la hauteur, n'est-ce pas, pour éclairer la lanterne de la population. Merci je beaucoup. Je ne sais pas aussi si vous avez enlevé la rubrique des biscuits ou je dois attendre lorsque j'aurai encore la parole. Bon, allez-y, vous que vous... Bon, bah, je voulais aussi commencer, je voulais aussi commencer par un petit biscuit par rapport à ce qui se passe aussi au niveau du pays. Principalement, je vois là le ministère des Finances, Excellence Nicolas Kazadi. Donc, avec les fonctionnaires en amarre par rapport à tout ce qui se passe, ce n'est pas bien. Parce que vous devez savoir d'abord, le salaire a un caractère alimentaire. Alors, il faut qu'il ait quand même du respect et des principes. Lorsque les fonctionnaires de l'État sont souvent payés en retard, ça pose des problèmes. Parce que la plupart sont des locataires. Alors peut-être ils se sont déjà convenus avec les bailleurs, ils paient l'argent des loyers fin du mois. Lorsqu'ils sont payés les 10, les 15, cela pose un sérieux problème. En tout cas, je vous ai suivi lors de votre dernière sortie, mais je veux vraiment que vous fassiez un effort d'essayer un peu de réglementer cela parce que ça commence à poser un sérieux problème. Là, c'était les premiers biscuits. Deuxième biscuit, j'allais aussi revenir par rapport aux différentes banques commerciales de notre pays. Là aussi, ça pose un problème sérieux, cher Dan. Qu'est-ce qui se passe à travers nos différentes banques commerciales? Il y a, parce que pour la plupart, les fonctionnaires sont bancarisés. Lorsque l'argent passe au niveau des différentes banques-là, alors, ça pose un sérieux problème. Parce que l'argent, on paie les fonctionnaires en francs congolais. Alors, une fois vous êtes dans un X banque, on va vous donner une carte. Au moment opportun, lorsque votre argent est crédité, vous allez prendre ça dans une machine de distributeur. Mais lorsque seulement l'argent passe dans des comptes des fonctionnaires, lorsque des fonctionnaires sont payés, donc des distributeurs tombent en panne. Donc, ça tombe pas de manière systématique, presque dans toutes les banques commerciales. Ça pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Alors, lorsque vous êtes payé en francs congolais, alors que vous allez dans un distributeur qu'il n'y a pas de francs congolais, mais dollar est disponible. Si vous prenez maintenant en dollar, tu vois, il y a déjà une marge là qui échappe aux fonctionnaires. D'accord. Avec les petits moyens, vous les privez encore de prendre en dollars. Alors, merci. Vraiment, là, j'attire l'attention aux banques commerciales de notre pays pour qu'ils puissent réglementer cette histoire parce que ce n'est pas propre. Merci beaucoup. Monsieur Vadjour, est-ce que vous avez un biscuit à part ce que vous avez dit? Bien sûr, c'est le drame de la ville de Kinshasa qui n'est pas gouvernée, comme on l'a toujours répété. Comment on peut se permettre d'avoir des embouteillages de plus de 5-6 heures de temps pour des tronçons qui ne dépassent pas 10 km, nous le répétons. On ne va pas oublier l'insalubrité qui règne dans la ville de Kinshasa. Tout le monde le vit, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. Il y a un consensus auprès des personnes qui ont les leviers du pouvoir à ne rien faire. Monsieur Félix Tshisekedi ne fait rien, il a d'autres priorités. Le gouverneur de la ville, Gentiline Ngobila, n'est pas à sa place, et on ne cesse jamais de le dire. La deuxième chose, c'est une pensée pour les élèves du lycée Mwanga à Kolwezi, qui ont été victimes d'un incendie et où la réactivité de la ville a été tardive. Nous apprenons aujourd'hui les décès d'une jeune étudiante de 10 ans. Toutes nos pensées à elle. Mais pour finir, je vais juste faire un commentaire sur ce que mon ami Jeanne Bombo vient d'évoquer. Je veux lui rappeler qu'il y a un cadre aujourd'hui où l'Union Sacrée peut aller poser ses plaintes et ses problèmes. Ce n'est pas le lieu ici, sur le plateau télé, que vous allez trouver solution à vos problèmes. Vous êtes de l'Union Sacrée. Allez voir M. Kazadi et discuter de ces questions. Et puis, allez voir le ministre Liao pour parler des questions des fonctionnaires. Ce n'est pas le lieu de le faire. Merci beaucoup, M. Yves. Maître Freddy Mamba. Oui, ce que je veux dire, c'est que le professeur Modeste Bahati invite tous les cadres militants de l'AFTC à pouvoir venir nombreux samedi, participer à cette sortie Stade des Martyrs. Officielle de l'Union Sacrée de la Nation.
Et j'espère que, parce que nous sommes en train de mobiliser pour que tous nos cadres et nos militants puissent, n'est-ce pas, rehausser de leur présence cette grande cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Et j'aimerais revenir sur ce qui a été dit par Badioko ici pour dire que c'est un problème qui doit être résolu au niveau de l'Union sacrée. Et que, bon, le problème des fonctionnaires, c'est la problématique, la difficulté, c'est au niveau de l'économie. Et l'économie, c'est sur le plan mondial. Avec cette inflation, qui est une inflation mondiale, nous avons un problème des carburants, vous le savez. Les carburants ont augmenté les prix. Quand les carburants augmentent les prix, cela impacte aussi sur l'économie du pays. Et vous savez aussi que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de subventionner ces secteurs, les secteurs de carburant. Et quand on subventionne, ce n'est plus les mêmes coûts. Avant, c'était quand même moins. Ce que l'État dépensait pour subventionner était quand même moins. Mais aujourd'hui, cela a été revu à la hausse. Non seulement ça, comme si cela ne suffisait pas, nous avons le problème de la guerre en Ukraine qui a fait en sorte qu'il y ait une inflation à l'extérieur. Tous les produits que nous achetons, parce qu'il faut dire que nous sommes dans un pays qui ne produit pas suffisamment, mais à partir du jour où nous ne produisons pas suffisamment, ce qui fait que les renchérissements là ne peut qu'avoir un impact négatif sur nous. Ça a un effet boule de neige partout dans tous les pays qui ne produisent pas. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'acheter à un prix élevé à l'étranger pour que vous puissiez venir ici, à ce moment-là, vendre encore à un prix élevé ici, dans notre pays. Comme on n'arrive pas véritablement à produire ici, parce que comme vous le savez bien, nous sommes encore au niveau du secteur primaire. On ne dépend que de nos ressources, de la rente minière, de nos ressources minières, où vous avez justement le cuivre et le cobalt. Quand le cours du cuivre baisse, par exemple, ça impacte même sur nous. Alors que pour résoudre cela, je crois que le président de la République est même sur la brèche. Nous sommes en train de faire un effort pour sortir du secteur primaire vers les secteurs secondaires, où okay. Vous aurez des industries manufacturières. D'accord. Parce que si nous avons des industries manufacturières, ça va faire en sorte que nous puissions avoir une croissance basée sur la prospérité partagée. D'accord. C'est-à-dire qu'on va ressentir, s'il y a une croissance, ça va se ressentir même dans les assiettes des Congolais. Pourquoi? Parce qu'avec cette chaîne de valeur, ça va faire en sorte qu'on crée des industries au pays. Dès qu'on crée des industries au pays, et c'est de l'emploi qu'on augmente, merci. Et quand il y aura des emplois, les gens seront payés, ils vont aller au marché, ils vont payer des histoires, la maman qui va au marché aura de l'argent, tout ça. Merci beaucoup. Donc vous comprenez? Et c'est ce qu'il va faire. Nous avons ces problèmes-là, comme je vous ai dit, je comprends. De l'inflation sur le plan mondial. Nous avons ces problèmes de la guerre dans la partie orientale de notre pays. Le paiement en retard des agents de l'État. La guerre dans la partie orientale de notre pays, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Vous avez l'organisation des élections aussi. Je prends la parole. L'organisation des élections. Je prends la parole. Vous avez suivi Nicolas Kazaki. Je prends la parole, Freddy Mwamba, parce que il faut que nous annoncions le sujet déjà. Alors, Félix Tshisekedi, sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, est-ce que le président Tshisekedi est-il bien entouré? Deuxièmement, qu'adviendra-t-il si les revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte par la majorité au pouvoir? Alors, on commence avec le deuxième sujet. Qu'adviendra-t-il si les revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte par le pouvoir? On commence avec le deuxième, on va finir avec le premier, celui que la régie vient de nous afficher. Là, on finira avec celui-là. Merci beaucoup, Madame Jemima Panzou, d'être avec nous, donc de connivence avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Joël Mbombo, je commence avec vous, avant de donner la parole à Monsieur Yves Badioko. Que peut-il se passer si les différentes revendications qui ont été posées par l'opposition dans leur réunion de début avril à Lubumbashi, si ce n'est pas pris en compte, qu'est-ce qui peut advenir selon vous? Merci, merci beaucoup, cher Dan. J'avais voulu plutôt que vous posiez cette question à Yves qui est de l'opposition. Parce que de toutes les façons, je ne sais même pas les revendications. Ce qu'ils ont demandé à Lubumbashi, je ne maîtrise même pas. Vous n'avez pas suivi Ce que moi je sais est que la CENI, aujourd'hui on est mercredi, avant-hier, la CENI a déjà fait un communiqué de presse en disant il a fini à ce qui concerne les identifications d'enrôlement. Je crois qu'à ce niveau,
Est-ce qu'on doit encore se poser la question par rapport à l'opposition qui ne veut pas aller aux élections? Ça, c'est leur problème. Parce que la CENI, les trains est déjà en marche. Qu'il pose plutôt les préalables, c'est pas ça? Les préalables de quoi? Selon eux, pour que les... Quels sont les préalables que l'opposition demande? CENI consensuel. CENI consensuel. Réforme de la Cour constitutionnelle. voilà. Cher Dan, on doit auditer le fichier électoral. On doit comprendre que ce sont des gens qui ne veulent pas aller aux élections, comme j'ai dit tantôt. Ils ne veulent pas aller aux élections. L'opposition veut qu'on aille dans un dialogue. Nous ne sommes pas prêts d'aller dans un dialogue. Parce que finalement, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, à chaque régime, il faut que nous puissions dialoguer. Pourquoi? Pour organiser les élections. Alors, une chose qui doit être faite de manière normale, ça doit être fait de manière spontanée. Pourquoi à chaque fois que nous avons un régime, nous devons aller au dialogue pour favoriser les politiciens qui ont des problèmes de moyens. Quel sera l'intérêt de l'opposition de chercher un glissement ou de ne pas aller aux élections pendant qu'ils veulent récupérer ce pouvoir? Alors, il faut leur poser cette question. Mais vous ne voulez pas les glissements. Mais pourquoi vous ne voulez pas les élections? Parce que vous dites qu'ils ne veulent pas les élections. Or, s'ils ne veulent pas les élections, c'est en leur défaveur, en quelque sorte. Oui, effectivement. Ouais. Ils ne veulent pas les élections, mais ils veulent plutôt qu'on aille dans un dialogue. C'est ça le problème. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir comment est-ce qu'ils sont en train de multiplier des prétextes en disant que non, il faut la CENI là soit réformée, il faut que la Cour constitutionnelle soit réformée, il faut qu'on puisse auditer tout ça, les fichiers, ainsi. Donc des raisons qui sont des prétextes en fait. Alors, il n'y a pas vraiment une vraie raison qui peuvent évoquer jusqu'à présent. Quel sera l'intérêt pour l'opposition d'aller au dialogue? Parce qu'ils ont un problème d'argent. Ils sont à court de moyens. Ils veulent se faire santé financière, tout ça. Les moyens pour affronter les élections, tout ça. C'est ça la raison, cher Dan. On doit comprendre ça facilement. Mais moi, je leur dis que non. Je crois que les traits déjà marchent. On a fini déjà avec l'identification. Bientôt, là, ça sera. On doit déjà faire les dépôts des candidats. Et puis, voilà. Au mois de décembre, nous aurons les élections. Alors, pour ceux qui sont des rêvés, vaut mieux de vous réveiller dans le sommeil que vous êtes obligé de le faire. Il faut vous réveiller, aller aux élections. Parce que maintenant, je ne vois rien qui peut empêcher les élections. Vous comprenez? Alors, j'aimerais aussi rebondir par rapport à ce que mon ami Yves a dit ici. Moi, je suis en train d'interpeller le ministre des Finances parce que je suis bien à l'Union Sacrée. Mais si des choses, peut-être, ne marchent pas bien, je dois le dire. Parce que nous sommes là aussi pour aider, n'est-ce pas, les chefs de l'État. Vous comprenez? Nous avons des frères, nous avons des amis qui sont des fonctionnaires, qui nous voient aussi. Nous sommes de la majorité, nous sommes des régimes. Ils sont là de nous parler aussi ce qui se passe en réalité. Alors, cela ne m'empêche pas de dire ça dans un plateau de télévision. Cela ne veut pas dire que non, nous n'avons pas un cadre où on peut parler de cela. La télé aussi est faite pour ça. Lorsque je suis en train de parler ici, ils vont aussi écouter. Je prends Dan en témoin. L'autre fois, on a fait un débat ici où j'ai parlé concernant la grille tarifaire, par exemple. Mais une semaine après, ça a été résolu. Donc, cela ne veut pas dire que non, on n'a pas un cadre où on peut parler de tout ça. Il y en a. Mais je vais quand même lui parler par rapport à des choses comme ça se passe. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Joël Mbombo. On comprend pour vous que ces revendications, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ça vaut pas, ils ne sont pas pour aller aux élections. D'accord. Monsieur Yves Badjoukou, vous qui êtes dans la machine, qu'est-ce qui peut se passer si vos revendications ne sont pas prises en compte? Il va se passer ce qui va se passer. Nous disons et nous le répétons, si au 23 janvier 2024 à minuit, il n'y a pas élection. Monsieur Félix Tshisekedi, nous irons dans une transition sans lui.
Mais j'en arrive aux questions électorales. Là, c'était juste pour poser le décor. Mais Monsieur Mbombo, si vous avez un cadre dans lequel vous discutez de ces questions, il n'y aura aucune raison que les problèmes que vous évoquez puissent sortir de ce cadre. Elles auraient déjà trouvé solution. Ou alors vous êtes incompétent à trouver des solutions dans ce cadre. C'est pourquoi vous passez à la télé pour... Je crois que je vous ai déjà répondu. Peut-être vous requérir nos avis et les avis des téléspectateurs. Mais sinon, si vous aviez cette compétence dans ce cadre-là, vous aurez déjà résolu ces questions. Inutile de venir nous les poser ici, sinon demain vous allez venir nous parler de votre vie conjugale à la télé parce que vous n'avez pas réussi à avoir des réponses aux questions dans le cadre conjugal. Excusez-moi de vous tutoyer personnellement. Voilà, ce qui est dommage encore, c'est que mon ami Bombo, il fait comme M. Tshisekedi, il n'est pas au courant des choses, il n'est pas au courant des faits. À Lubumbashi, nous avons essentiellement évoqué trois questions. La question de la vie chère, il vient tout à l'heure en introduction, en biscuit comme on a l'habitude de le dire, de se plaindre de la question de la vie chère, notamment dans le cadre de retrait de l'argent, des salaires des fonctionnaires dans les différentes institutions financières. Donc il était quasiment, il s'est retrouvé quasiment dans la question, dans la première question que nous avons évoquée à Lubumbashi, dans nos premières revendications. Vie chère et paiement en retard. Ben oui, parce qu'il disait que lorsque vous récupérez votre salaire qui est en francs congolais, si vous le récupérez au guichet, vous le récupérez en dollars, il y a une inflation. Donc forcément, ça impacte sur le coût de la vie. Et ça, ce n'est qu'un exemple que nous devrions prendre. L'exemple que Mwamba voulait justifier en disant qu'il y a la guerre, en disant voilà qu'il y a... Mais il a oublié de dire que nous avons un régime qui est incompétent face à ces questions, qui est incompétent de trouver des solutions aux problèmes et que nous subissons un régime qui, 4 années durant, n'a pas su faire de notre économie une économie forte à partir de l'intérieur et qui, ils ont renforcé la dépendance de notre économie, voilà, aux questions de douane, aux questions de... Vous êtes économiste, toutes les questions d'incompétence. La situation que nous vivons aujourd'hui, toutes les questions d'incompétence. Non, la situation que nous vivons ici, c'était une conséquence de l'illégitimité de M. Félix Tshisekedi et de pouvoir en place. Celle-ci, c'est une conséquence, ce sont des corollaires, simplement. S'il avait la légitimité, peut-être qu'il aurait... Le VPM de l'économie a donné quelques raisons selon lesquelles il y a un problème faible taux de précipitation ces derniers temps ici, au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de la production interne, faible taux de production au niveau interne, même au niveau des pays qui produisent, là où on exporte, la Zambie, l'Afrique du Sud, il y a aussi baisse du taux d'exportation des denrées alimentaires. C'est parmi les raisons qui ont été... Est-ce que là, on peut dire qu'il y a nécessairement une compétence du pouvoir en place? D'abord, le VPM de l'économie me pose un problème d'éthique et de morale. Que sa parole puisse être portée publiquement alors qu'il sait où sont passés nos 58 millions de dollars dans l'affaire, dans le cadre du projet de 100 jours, spécialement dans son volet infrastructure et les maisons préfabriquées, parce que jusque-là, nous ne savons pas où sont passés nos fonds. C'est notre argent qui a été dilapidé et aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, il pose un problème d'éthique et de morale. Cependant, je vais quand même rester sur ce qu'il dit. La RDC a 80 millions de terres arables. On en utilise que entre 20 et 40%. Et on va se poser des questions sur aller acheter du maïs en Zambie. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils vont nous dire ici, voilà, qu'il y a eu la guerre en Ukraine. L'Ukraine est essentiellement producteur de, entre autres, de blé, ainsi que de la Russie. M. Félix Tshisekedi a inventé quelque chose en disant que, voilà, nous utilisons la farine de manioc de la panification du pain. Supposons que, compte tenu de la guerre en Russie, nous ayons pris l'initiative de planter le blé. Le cycle de blé, c'est huit mois. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, nous aurions pu nous positionner aujourd'hui comme étant le premier producteur mondial de blé. Parce que l'Ukraine et la Russie sont en difficulté aujourd'hui. Pourquoi n'avons-nous pas fait ça? Mais il faut, pour produire à grande échelle, il faut des Il faut des investissements, oui. Je suis d'accord. Il faut de l'investissement, ou alors il faudrait, utiliser la méthode IMO, qui intègre une grande intensité de la main-d'œuvre. Nous avons toujours les moyens de faire. Il ne faut pas se cacher derrière ces justifications, parce qu'aujourd'hui, l'artisanat est beaucoup plus important que les secteurs manufacturiers, dans ce sens que lorsque vous avez une chaise qui est faite à la main et une chaise qui est produite par une machine, la chaise faite à la main a plus de valeur que la chaise produite à la main. L'avantage est que la chaise produite par une machine, le seul avantage, c'est que la machine produit plus et la main produit un peu lentement. Donc, ils n'ont raison de se cacher derrière rien.
C'est-à-dire qu'ils ont été aujourd'hui incompétents à mettre en place des mécanismes pour consolider notre économie et faire face à tout ça. Nous sommes un, pays potentiellement producteur de pétrole. L'Angola vit essentiellement grâce au pétrole et grâce au diamant. Ce sont les ressources particulières qui font vivre l'Angola. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, normalement, de nous réfugier vers ces valeurs pour contrer le fait de dire que voilà, les produits pétroliers sont subventionnés. Nous sommes dépendants des matières premières, essentiellement. Mais M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il avait trouvé la solution à la question de la famine à Kinshasa. Qu'en est-il? M. Félix Tshisekedi a dit, il y a près de 5 ans, qu'il avait trouvé qu'il allait faire la revanche du sol sur le sous-sol. Où est-ce qu'on en est? C'est question, effectivement. Oui, il y a une agence, M. Félix Tshisekedi en a créé autant. Pour quel résultat? Rien. Merci là, c'était sur les questions de la vie chère, sur les questions économiques. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, parce que nous avons évoqué la question de la sécurité, de la guerre à l'Est, où M. Félix Tshisekedi tâtonne encore, et en nommant malheureusement pour Mon pauvre Mbombo, je vais juste finir en deux secondes, mon pauvre Mbombo, qui a aujourd'hui son président VPM de la Défense, qui n'y comprend rien. D'ailleurs, la dernière réunion qu'il a convoquée a été tout simplement saboté par le Rwanda, comme on s'y attendait. Il n'y comprend rien, il ne comprendra rien, parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a que M. Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et Paul Kagame qui connaissent les enjeux de la guerre spécifiquement avec le M23. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Maître Freddy Mamba, selon vous, il a parlé de la question de la vie chère, dénoncer la vie chère, c'est effectif que la vie coûte un peu plus cher que des points à un moment. Cette revendication trouve son fondement, si on regarde de la réalité sur le terrain, quand même. Bon, tu sais, mon frère Dan, pour lutter contre... Vous avez dit qu'il était économiste, je ne le savais pas. Je crois qu'il le sait mieux que moi. Il sait bien que pour lutter contre la dégressivité du pouvoir d'achat, il faut produire. Il faut produire. Tant qu'on n'arrive pas à produire, et la production, là, ce n'est pas un entournement. C'est tout un processus. Lui, il m'a parlé, il a donné un exemple de l'artisanat. Mais avec l'artisanat, comment nous allons parvenir à une production à grande échelle pour permettre à ce que plusieurs personnes puissent jouer. Je te donne par exemple le cas de l'agriculture. Il a donné juste un exemple de quelqu'un qui fabrique une chaise. Allons d'abord dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il parle de 80 millions de terres arables. Ces 80 millions de terres arables, comme ça, vous allez les exploiter ça comme ça. Avec des houes, les 80 millions de terres arables, avec les houes, vous n'allez pas. Il faut des inputs aussi, tout ça, les intrants pour, n'est-ce pas, arriver par exemple à semer, tout ça. C'est tout un processus. Si vous parlez avec les experts, ils vous diront. C'est tout un processus. Et le président de la République, lorsqu'il dit, il parle du primat du sol, lorsqu'il parle du primat du sol sur le sous-sol. 700 millions de dollars prévus pour l'agriculture 2023. Vous dites de 700 millions de dollars consacré à l'agriculture pour 2023, dans le budget de l'année, qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Non, c'est ce que je suis en train de te dire, que lorsque le président de la République parle du primat du sol sur le sous-sol, il ne le dit pas pour le plaisir de le dire. Vous venez de parler de 700 millions, mais avant c'était combien? C'était moins de 700 millions. Ah, vous voyez, 350 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a cette volonté, il y a des politiques volontaristes qui sont déjà mises en branle pour faire en sorte que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous étions avant. Donc, nous sommes en train de montrer d'un cran. Avant, tu as parlé de 300 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 700 millions. Nous sommes en train d'y aller peu à peu, petit à petit. Vous avez les services nationaux aujourd'hui. Les services nationaux sont en train de fonctionner maintenant différemment de la façon dont les services nationaux fonctionnaient. Au niveau le problème qu'il y a, c'est quoi la demande, tu vois, la demande elle est grande. La demande elle est grande. Nous sommes en train de financer ces secteurs en fonction de ce que nous avons dans l'escarcelle. En fonction des moyens que nous avons, on finance petit à petit, on est en train d'évoluer. Le président de la République ne peut avoir que l'ambition d'un pays grand. Lui, il est en train de voir grand. Toi, tu ne peux pas être, tu es un dirigeant. Tu souhaites, par exemple, tu as, par exemple, une vision réductrice. Une vision réductrice de ton pays. Non, pas du tout. C'est pourquoi le président de la République peut facilement utiliser des leitmotivs, comme par exemple le primat du sol sur le sous-sol, comme la clé pour finir l'affaire, parce que bientôt, là, je t'informe, peut-être que tu n'as pas l'information, il y aura des chalutiers qui vont venir.
pour que nous puissions relancer le secteur de la pêche. C'est vrai que tout ça. Et pour relancer le secteur de la pêche, il ne suffit pas de prendre les chalutiers et les mettre sur notre faible comme ça. Il faut le balisage, il faut une chaîne de froid, il faut ceci, il faut cela. Tout ça est en train d'être mis en place, tu comprends? Tout ça est en train d'être mis en place. Petit à petit, nous sommes en train d'aller crescendo jusqu'à ce que, effectivement, un certain nombre de problèmes seront résolus. Les problèmes, l'important, c'est de commencer quelque part avec le président Félix Tshisekedi. On ne va pas résoudre tous les problèmes que les Congolais ont, mais nous allons limiter les dégâts. C'est ce que nous allons faire et ceux qui viendront aussi après vont continuer. C'est comme ça. Ça s'est toujours passé, ainsi. Donc, il y a des choses qui se font. Mais comme nous avons, ils sont dans l'opposition, ils ne peuvent que porter un regard nihiliste sur tout ce que nous faisons. Négatif. C'est tout à fait normal, oui. Bien, tout à fait normal qu'ils réagissent de cette façon. Mais nous, nous sommes en train de rassurer la population. Okay. Et les gens sont en train de voir ce qui est en train d'être fait. Petit à petit, le service national fait son travail. Vous avez un projet de Kwadi au niveau du Kasaï qui est en train d'évoluer. Et on évolue comme ça petit à petit. D'accord. Donc jusqu'à ce qu'on va faire en sorte que la fin soit effectivement conjurée totalement, que ça soit dans le vocabulaire de tous les Congolais. Merci beaucoup. Donc c'est cela. Merci beaucoup, Maître Mwamba, Félix Mwamba. La question de la partie est de la RDC continue toujours aussi d'inquiéter. Parlons élections, enrôlement et d'identification des électeurs. La CENI a publié son rapport général d'enrôlement dans les 3 zones opérationnelles, compris les 5 pays qui ont été ciblés comme les pays pilotes. Alors, la CENI dit... Concernant les territoires de Kwamout, dans les Maïndombe, Massissi, Niragongo et Rutshuru au Nord Kivu, ainsi que dans la commune de Maluku, dans la ville de Kinshasa, l'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs est tributaire à l'amélioration des conditions sécuritaires. Alors, M. Joël Mbombo, quelle solution préconiserez-vous dans ce contexte-ci pour ces gens qui sont dans cette situation, ces gens qui ne sont pas enrôlés? Ces Congolais qui ne sont pas enrôlés, mais qui ont droit aussi, parce que le vote est un droit, qui ont aussi droit à voter. Qu'est-ce que vous préconiserez dans ces contextes aussi? Parce que l'enrôlement a pris fin. Qu'est-ce que vous allez proposer? Merci beaucoup, M. Dan. Mais permettez-moi quand même, avant de répondre à cette question, de rebondir par rapport à des choses que j'ai écoutées venant de mon ami Yves en face. Et je voulais un peu lui rassurer que si mon président Jean-Pierre Bemba se retrouve aujourd'hui dans l'actuel gouvernement, c'était une demande de la population par rapport à sa connaissance du secteur. Quelle population? Il a été réclamé par rapport à tout ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays. Raison pour laquelle il a été réclamé et puis le président de la République a constaté cela. Par quel canal la population réclamait Jean-Pierre Bemba? Par quel canal? Quelle population? Non, par quel canal d'abord? Mais moi, je vous dis que moi, partout où j'ai passé, on me posait cette question. Par qui? Je parle de la population. De Kinshasa. La population est confondue. Je parle de la population. Congo n'est pas seulement Kinshasa, cher Dan. Il ne faut pas penser, lorsqu'on parle du Congo, on voit directement Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Mais si on parle aussi dans des termes des provinces, c'est une province comme la province aussi de l'Équateur ou soit de Mongala. Mais c'est juste, c'est aussi la casquette de la capitale. Donc, cela ne veut pas dire que lorsqu'on parle du Congo, on voit seulement Kinshasa. Moi, je parle de la population partout où je me retrouve. 100 millions d'habitants, on me posait cette question qui est tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Pourquoi le président Jean-Pierre Bemba ne parle pas? Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne dit pas quelque chose? Alors, il a été réclamé, raison pour laquelle, lors de la constitution de l'actuel gouvernement Samadé, raison pour laquelle on lui a donné le ministère des Défenses. Voilà. Ce n'est pas pour parce qu'il avait besoin d'être là, non. C'est un sursaut patriotique. Il n'a pas regardé son rang, mais il a accepté parce que la population est en train de souffrir. Voilà la réponse que je pourrais te donner. Alors, si on veut rebondir par rapport à l'économie, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais lui donner quelques éléments importants et puis je vais revenir à la question. Tu as parlé beaucoup de choses. Mais tu dois savoir que notre pays, depuis qu'on a l'indépendance jusqu'à présent, nous dépendons que d'un seul secteur, qui est le secteur minier. Notre économie
notre économie est extravertie. Tout ce que nous avons ici dans notre pays, ça vient de l'extérieur. Je crois que vous devez savoir ça. Et c'est un système que le président Félix Tshisekedi a trouvé. Et ne pensez pas, Yves, que pour divertir une économie comme ça, parce que notre pays a besoin notre économie soit diversifiée. Ça peut vous prendre combien de temps? Pour qu'en dehors des secteurs miniers, nous puissions regarder, par exemple, aussi les secteurs agricoles, pêche et élevage, pourquoi pas. Alors là, ça va nous permettre que nous puissions avoir une économie résiliente. Alors, tout ça, c'est un processus, ça va prendre du temps. Alors, ne pensez pas que vous ça va se faire par un coup de la baguette. À l'Alliance Sacrée, vous arriverez à faire quoi? Qu'est-ce que vous arrivez à poser comme acte? Mais allant dans la diversification de l'économie, justement. Vous m'avez déjà anticipé. Voilà. Vous avez cité même l'enveloppe qu'on a disposée pour les secteurs agricoles. Voilà. Mais oui. Vous venez de parler. Alors, lorsque je parle de que notre économie soit diversifiée, je suis en train de parler aussi des secteurs agricoles. À ce niveau-là, je voudrais bien que vous me donniez les éléments qui démontrent que vous avez cette politique. Mais c'est ça. Cette politique qui va permettre à la RDC d'aller vers la diversification de l'économie, parce que la volonté ne suffit pas. Il faut poser des actes concrets. Effectivement, Dan. Donc, il faut maintenant évaluer lorsqu'on faisait les budgets avant. On disposait quelle enveloppe pour les secteurs, par exemple, agricoles. On disposait quels moyens pour les secteurs de pêche et élevage. Alors, si vous vérifiez, ou soit 5 ans avant et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a suffisamment de l'évolution. C'est-à-dire que le régime actuel veut que notre économie soit diversifiée pour que nous puissions avoir une économie résiliente. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela. D'accord. Donc, si vous voulez que nous puissions avoir les jours où on va parler de ça, il y a beaucoup de matières là-dessus. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler là-dessus, parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, le secteur agricole est en pleine marche. Oui, oui. Donc, vous devez juste savoir que notre économie est en train de se faire diversifier petit à petit, parce que nous voulons quitter les secteurs miniers. Parce que non seulement les secteurs miniers, mais les secteurs miniers en question. Merci. Nous vendons les histoires, notre matière, on est à Brit. On ne transforme pas. Si au moins on pouvait transformer, alors ça allait créer ce qu'on appelle la main-d'œuvre, les emplois. C'est pourquoi je parle du secteur primaire. Vous comprenez? Je prends la parole. Il avait parlé du secteur, même s'il n'est pas du domaine, il a parlé du secteur primaire. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut que nous puissions évoluer. Alors je vais répondre quand même par rapport à la question. Je dois revenir par rapport à la question. Vous n'avez pas géré. Non, je prends juste quelques lignes. Je prends quelques lignes. Quelques lignes seulement pour répondre. Pour qu'elles ne soient pas hors sujet. La construction d'une usine de fabrication. Vous comprenez que nous sommes en train de... Je dois quand même y répondre par rapport à la question que vous m'avez posée. Je reviens vers vous justement. Alors, monsieur Yves Badjoko, la question de la vie chère, ce n'est pas un secret de Polichinelle. On le connaît, on connaît les problèmes du Congo. C'est plus de 2 millions de kilomètres carrés avec une population totalement... Les territoires enclavés, il faut des voies de communication, il faut beaucoup de moyens pour que justement on puisse diversifier l'économie. Je ne suis pas spécialiste du secteur agricole, mais en 4 ans, ça me paraît un peu difficile qu'on puisse mettre sous le dos du président Tshisekedi, de son régime, le manque ou la vie chère que nous vivons, le manque de diversification de l'économie. Une économie qui a été mise à genoux il y a plus de 50 ans, on dirait même plus de 60 ans. Sur les 4 ans, vous voulez qu'il le fasse le tout au même moment. Vous marchez pour la vie chère et vous mettez ça sur le dos du président Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez cette action-là juste? Mais c'est intéressant quand j'entends mes co-débatteurs, mais ils répondent très clairement à votre question en disant qu'ils sont incapables de faire quelque chose pour la République. Ils le disent clairement. Ils le disent, qu'il faut du temps. C'est votre façon de comprendre. Une question essentielle, il leur faut combien de temps? Vous comprenez de manière erronée. Il faudrait un siècle pour qu'on puisse percevoir au moins les efforts qu'ils font. Mais la réalité, ils les décrivent. Ils parlent des fonctionnaires, ils parlent des carburants, ils parlent... Tout est désastreux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui sont de l'Union Sacrée qui sont en train de le dire et de le répéter. D'abord, ils n'ont pas dit ça.
Tout à l'heure, j'ai mon co-débatteur Mwamba disait que voilà, on a forcément besoin d'industrialiser. Non, j'ai parlé de la technique IMO qui utilise intensivement la main d'œuvre. On n'a pas besoin forcément de faire des investissements dans le matériel. On peut utiliser les hommes. Mais là, il faut pas me poser la question. Il faut leur poser la question à eux. Moi, je leur donne même des indications. On peut utiliser la haute intensité de main d'œuvre. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'équipement forcément. On utilise des hommes et ça crée des emplois. Voilà, il faut. C'est quand je parle d'incompétence, voilà, ça trouve toute sa quintessence dans cela. Beaucoup de territoires, beaucoup de villes, des villages, des ETD sont enclavés. Oui. Et la main d'œuvre agricole, généralement, se trouve dans ces territoires-là, un peu reculés du pays. Oui. Alors, pour créer ces voies de communication, ça ne peut pas se faire en 2 ans quand même. Mais bien sûr que c'est. Mais comme. En 3 mois. Il faut le rappeler quand même, la superficie du pays. L'Union européenne a construit en 3 ans, 114 km de route. En 3 ans, l'Union européenne. Ça, c'est un partenaire. On n'a pas les mêmes moyens. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Les ressources, parce qu'ils partent de diversification de l'économie. On n'a même pas besoin de diversifier notre économie. Parce que les ressources que nous avons sous notre terre sont évaluées à 22 000 milliards de dollars. Donc, il suffit de se concentrer sur le secteur spécifiquement minier pour avoir un potentiel de 22 000 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que vous me racontez Ça, c'est un potentiel. Il faut transformer la richesse. Là, vous parlez de potentiel. La richesse. Maintenant, transformation, c'est là où ça pose problème. C'est ça le problème. Yves, peut-être que vous ne comprenez pas bien. Mais vous êtes entré dans le français des portes. Là, tu es un idéateur. Mais vous êtes entré. Je ne comprends pas un idéateur. J'ai été tranquille quand vous avez pris la parole. Et l'élégance d'être tranquille quand je m'écoute. Mais c'est effectivement ça. C'est ce processus de transformation qui va donner. Qui va nous amener à la création des richesses. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Parce qu'on a un potentiel identifié. Lorsque j'ai parlé du potentiel de l'agriculture avec 80 millions de terres arables. Toi, tu es maintenant, en pleine dans la culture de l'immédiateté. Voilà. Il faut aller petit à petit. C'est un processus. C'est un processus. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes d'accord que rien n'a été fait. Laissez-moi vous expliquer. Donc, qui a dit ça? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes en train de m'interrompre. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a moyen avec simplement le potentiel. Il faut réfléchir de manière comme un intellectuel. Parce que parfois, tu dis des choses, il ne faut pas que ça reste comme ça dans l'opinion. Oh là là. Tu dis des choses, il faut te corriger immédiatement. Ça ne passe pas comme ça. Allez-y. Donc voilà, j'espère que déjà ils sont en face. 2 personnes, j'aurai le temps suffisant parce qu'ils n'arrêtent pas de m'interrompre. Donc on n'a même pas besoin, on n'aurait même pas besoin de diversifier notre économie, nous reposer essentiellement sur le potentiel que nous avons dans les secteurs miniers pour créer des richesses, pour les développer, créer suffisamment de richesses. Mais il a dit tout à l'heure, il a voulu évoquer la question des batteries au lithium. Et pourquoi il parle de batteries au lithium? Parce que c'est un potentiel, ce n'est pas une réalité. Vous avez donné cet exemple, pourquoi alors? Si on ne doit pas s'appuyer. Attendez, laissez-moi finir. Il n'y a aucune usine qui est en train d'être créée. Mais seulement le potentiel minier. Mais c'est difficile de. Si on l'exploite à 100% à plein potentiel. On n'a même pas besoin d'exploiter à 100%. On a 22 000 milliards en potentiel sous la terre. Nous avons 80 millions de terres arables. Donc si on ne se concentrait ne serait-ce que sur l'agriculture, eh bien nous serons une économie très importante qui mettrait certains pays d'Afrique sous notre dépendance. J'ai donné l'exemple de l'Angola. L'Angola vit essentiellement grâce aux ressources pétrolières et aux diamants. Prenons l'exemple des Émirats arabes unis. Ils vivent de quoi? Ils vivent essentiellement du pétrole. Une seule matière première, ils en vivent. Et aujourd'hui, ils veulent diversifier avec la question du tourisme. Très bien. Mais voilà. Non, mais attendez, ils n'ont pas arrêté de m'interrompre. Laissez-moi finir. Vous avez parlé de la question du budget de l'agriculture. Le budget de l'agriculture est une chimère. Nous le vivons aujourd'hui. La réalité nous rattrape. Ils ont fait la chimère avec leurs 16 milliards et en mettant 700 millions pour l'agriculture. Mais vous n'en verrez jamais une seule la couleur. Donc, le problème, ce n'est pas que M. Félix Tshisekedi ait la volonté d'agir. Nous voulons voir les actes palpables. Nous voulons voir les répercussions dans le panier de la ménagère. Nous voulons voir les répercussions dans le nombre de créations d'emplois. Nous voulons voir les répercussions dans la solidification de notre économie. Lorsque vous arrivez en responsabilité, il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Ça fait 4 années. Et aujourd'hui, les 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire sont toujours en insécurité alimentaire. Je veux juste finir par
Monsieur Mbombo, il faut être sérieux. Lorsque nous passons sur le plateau de télé, nous sommes sérieux. Personne n'a appelé Jean-Pierre Bemba pour venir à la rescousse de notre pays. Jean-Pierre Bemba a causé plus de tort à ce pays qu'autre chose. Vous voulez que je vous rappelle la guerre de 6 jours? Ou pour aujourd'hui, il n'a même pas présenté des excuses. Et pour aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a pris aucune initiative. M. Jean-Pierre Bemba était un rebelle, point barre. Ici, il s'agit de la gestion d'une armée républicaine qui appartient à une nation. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Très bien. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. J'ai posé la question sur la partie, les territoires qui n'ont pas été enrôlés. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour les élections qui approchent à la fin de l'année 2023. Alors, certainement, on va y réfléchir au cours de l'émission. Mais je prends déjà la deuxième thématique, parce qu'on a plus que 30 minutes pour la première. Le président Tshisekedi est-il bien entouré pour exécuter son projet donc de développement? Voilà, le projet un très bon projet, beaucoup de bonnes idées. Est-ce que le président est-il bien entouré pour justement que son projet soit bien mis en œuvre par son entourage? Est-il bien entouré? Maître Freddy Mamba, votre point de vue sur cette question. Bon, moi je pense que le président de la République est en train de travailler avec des Congolais. Des Congolais, il n'est pas allé chercher des expatriés pour travailler avec eux. Mmh. Il travaille avec des Congolais. Et lorsque on vous confie une responsabilité, vous devez faire preuve de votre patriotisme. Et démontrer combien vous êtes consciencieux pour être au service de l'État congolais. Voilà, parce que le président de la République ne peut pas aller à l'étranger pour procéder au recrutement. Non, il travaille avec des Congolais. C'est à nous, les Congolais, de prendre conscience en fonction des attributions qui sont les nôtres pour faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Et c'est ce qui est en train d'être fait, même si on sait que les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Nous sommes en société et chacun a sa façon de faire, les choses. Nous sommes là, nous sommes sur ce plateau. La preuve est que nous sommes sur ce plateau, nous débattons des questions, mais chaque personne a son point de vue, vous comprenez? Ce qui fait que vous pouvez avoir 1000 intelligences, et de ces 1000 intelligences-là, chacun a son approche. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. L'important, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, même si nos amis de l'opposition ne veulent pas les reconnaître. Mais au moins, ils sont conscients dans leur fait fond qu'il y a des choses qui se font comparativement à comme le pays était avant. Et c'est là même dans un contexte qui est un contexte alambiqué. Nous avons la guerre dans la partie orientale de notre pays. Nous avons beaucoup de contraintes qui peuvent être rédhibitoires au développement de ces pays. Est-ce qu'il est bien entouré? Mais au moins, il y a quelque chose qui s'est fait. Est-ce qu'il est bien entouré? Moi, je vous ai déjà répondu à votre question. Ou soit vous ne m'avez pas suivi. Vous avez dit qu'il travaille avec les Congolais. J'ai bien compris la question. Il travaille avec les Congolais. Et je vous ai répondu. Si vous essayez de scruter ce que je venais de dire, vous allez comprendre que j'ai répondu à votre question. Vous voulez que je dise quoi? Donc, que je cite les noms des gens? Il est bien entouré. Non. On comprend. Merci. Donc, le président de la République fait ce qu'il peut faire. Avec les Congolais. Il travaille avec les Congolais qu'il a trouvés au pays. Et ses compatriotes congolais donnent ce qu'ils peuvent donner pour que ces pays puissent aller de l'avant. Donc, c'est la réponse que je peux réserver à votre réponse. Je ne sais pas si vous aviez une idée de ce que vous voulez que je dise. Non, pas du tout. Mais sinon, ce que je pense, c'est que donc il y a des choses qui se font. Et je pense que, tout se passe comme vous l'auriez aimé le voir, à votre niveau. Bon, j'aurais aimé peut-être plus. Tous les Congolais, lorsqu'ils les regardent, ils aiment plus. Mais lorsque je regarde les contraintes, et le président, ce que je dirais grosso modo, c'est que toute personne placée dans les mêmes circonstances, objectifs des faits, agirait de la même manière. Toute personne placée dans les mêmes circonstances, objectifs des faits, agirait de la même manière. C'est pas que si on avait Fayoulou à la tête de ce pays, c'est alors que Kagame allait dire, comme il est en train de réclamer les terres, que je ne veux pas réclamer les terres de la République démocratique du Congo. Parce que Fayoulou est président. Non, parce que même dans ses propos, de Kagame a dit,
nous, cette affaire a commencé depuis 2012. Kagame lui-même, dans ses propos, il dit que cette affaire a commencé depuis 2012 et ça n'a jamais trouvé de solution. Donc, il réclame ses terres. Donc, c'est à nous de prendre conscience de cela et de nous mettre dans une posture qui va permettre à ce que notre pays puisse rentrer dans ses droits. Et ça, ça nécessite pas seulement d'être à la tête du pays. Ça nécessite l'implication de tous les Congolais. D'accord. Monsieur Joël Mbombo, nous avons que le Congo comme, en tout cas comme pays, et nous voulons que ce pays se développe. C'est le souci de tous les Congolais. Est-ce que vous pensez que le président est-il en train d'être bien accompagné pour accomplir cette vision qui est noble, cette vision que moi j'ai lue, c'est une vision très noble. Est-ce que vous pensez qu'il vous estimez qu'il est bien entouré? Oui, bien. Bon. Il faut faire la part des choses. Moi, je crois que s'il y a union sacrée aujourd'hui, parce qu'il y avait un appel du président de la République, alors il est entouré par des Congolais. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait, mais il y a aussi d'autres qui ont des qualités et des faiblesses, mais il est entouré par des Congolais. Des bons Congolais. Être mal entouré... Des bons Congolais. Je ne vois pas. Il y a, partout, il ne manque pas, par exemple, des brebis galaises. Ça ne manque pas. Mais je crois que les Congolais qui sont entourés, qui sont avec les présidents de la République, ils sont en train de travailler modestement. Il est bien entouré, c'est ce que vous deviez dire. Selon sa volonté. Il est bien entouré, c'est ce que vous deviez dire de façon claire. Jusqu'à présent, il est bien entouré. Jusqu'à présent, il est bien entouré. Oui. Qu'est-ce qui indique qu'il est bien entouré? Par rapport, sur base du travail qui s'est fait sur les terrains, cher Dan. Lequel? Le travail qui s'est fait sur les terrains. Alors, s'il faut voir déjà par rapport, dans quel secteur au budget déjà, avant on avait combien, le budget était estimé à combien? Le budget était estimé à peine 4 milliards. Maintenant, nous avons un budget qui est estimé à 16 milliards. C'est déjà une avancée. Ce n'est qu'une prévision. Même ce qui était de 4 milliards à l'époque, c'était aussi une prévision. Parce que peut-être lorsqu'on parle des budgets, vous dites non, prévision, mais on fait la prévision en fonction de l'année passée et de l'année. Et puis vous projectez. C'est-à-dire, par exemple, pour que les gens puissent comprendre. Peut-être année 2021, on avait mobilisé 10 milliards. On s'est dit non. Autour de cette 9 fois milliards, le ministre cette de, fois-ci, des on a la facilité de 9 milliards, d'augmenter, 9 milliards. D'augmenter donc, 3 fois-ci, ou 4 milliards. On fait ça en fonction. 11 milliards. 11 milliards. Donc, Dan, en fonction des éléments palpables. Oui, oui. Mm-hmm. Ce n'est pas des inventions. En fonction de ce que vous avez par rapport à l'année précédente et puis vous projetez. C'est ça la prévision. Donc la prévision budgétaire, c'est un élément majeur qui prouve que le président est très bien entouré. Oui, effectivement. Effectivement, parce que le budget était toujours une prévision, mais en réalité, on atteint aussi ça. Par rapport à cela, si vous voyez déjà le budget, il est une grande avancée. Je crois que les amis en face ne vont pas accepter parce qu'ils voient les noirs partout. Mais au moins, il y a de l'évolution, bien que beaucoup reste à faire. Qu'est-ce qui reste? Beaucoup reste à faire. Parce que nous parlons par exemple, le problème des paniers de ménage. Tu vois, nous parlons quand même de l'inflation. Pour le moment, c'est pas encore effectif. Tout ça. C'est pas encore effectif jusque-là. Mais ça, c'est aussi lié à ce qu'on appelle des conséquences exogènes, s'il faut dire comme ça. Des choses qui viennent de l'extérieur, qui vous frappent, votre économie, tout ça. C'est tout ça. Mais au moins, il y a une évolution. Je vais quand même revenir par rapport à ce qu'a dit aussi mon cher frère Yves. Moi, peut-être vous ne maîtrisez pas l'histoire de la guerre des 6 jours qui s'est passée à Kisangani. Mais moi, je te dirais directement que le MLC n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, ni de près ni de loin. Parce qu'il y avait le problème de leadership entre les gens des RCD. Parce qu'avant, ils étaient un bloc. Mais par après, à cause des combats de leadership, alors ils se sont éclatés. Il y avait un groupe là de professeurs Ernest Wamba. Et puis de l'autre côté, il y avait Émile Ilunga. Qui se sont battus pendant 6 jours à Kisangani, Bemba n'était même pas là. Alors, je ne vois pas pourquoi vous citez le nom de Bemba ici. Vous n'avez pas la reconnaissance que si Faoul aujourd'hui est Faoul, c'est grâce à Bemba, vous voulez seulement citer son nom dans les mâles. Ce n'est pas bien. Il faut aussi avoir la reconnaissance. Donc, Bemba n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Kisangani, ni de près, ni de loin. Au contraire, il y a un opposant qui est avec et qui était sur Wamba Diawamba. Voilà. C'est Sanga.
Je ne sais pas si c'est lui. Ah, c'est pas lui. Ah bon? C'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est vous qui l'avez cité. Je pose la question. C'est vous qui l'avez cité. C'est vous qui l'avez cité. Ah voilà, qui était à Lubumbashi avec c'est que les cités. Alors, je vais lui dire encore. Merci, merci. Mais cher Dan, bon, non, je vais citer par là. Mais je souhaiterais que prochainement, vous m'invitez avec lui pour qu'on puisse faire vraiment un débat économique. De fond. Alors, oui, de fond avec lui. Vous êtes économiste, c'est ça? Oui, moi, je suis économiste. Il nous a parlé ici que notre économie n'a pas besoin d'être diversifiée. Mais je suis étonné. Finissez, si vous voulez. Je suis vraiment étonné parce que notre économie, je lui ai parlé depuis longtemps. Nous dépendons que du secteur minier et. Le mal avec les. Si les secteurs miniers en question, on pouvait au moins transformer, aller créer ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Vous comprenez? Mais on ne transforme pas. On va, on prend des histoires et puis on va comme ça de manière artisanale. Raison pour laquelle nous sommes bités. Nous dépendons des matières premières. Lorsque ça, au niveau des marchés internationaux, ça évolue. Alors nous aussi, on est. Si ça, il y a une chute. Ça pose problème. Donc voilà, voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Donc cela n'est pas comparable. Donc le développement, c'est un processus. D'accord, c'est un processus, comme vous le dites si bien. Monsieur Yves Badjoko, votre lecture des faits, est-ce que vous trouvez que le président est bien entouré, le président Tshisekedi? Mais vous avez senti toute la difficulté de mes co-débatteurs à vouloir jouer à l'équilibriste pour éviter de dire qu'autour de Monsieur Tshisekedi, il y a énormément d'incompétence. Ce n'est même pas mes propos. Ce sont leurs propos qu'ils décriaient il y a quelques mois, ils décriaient les faits. Monsieur Mbombo, maintenant qu'il est au gouvernement, peut-être aller faire la fine bouche, mais avec lui, on décriait tous ensemble qu'il y avait beaucoup d'incompétence autour de monsieur, Félix Tshisekedi. Il n'y a que d'incompétence. Mais lorsque monsieur Panda dit qu'il n'y a que de voleurs autour de monsieur Félix Tshisekedi, ce ne sont pas mes propos, c'est le propos de Panda. Vous trouvez qu'il y a des voleurs qui peuvent être compétents? Ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de monsieur Panda. Mais maintenant, il faut vous poser la question. Lorsqu'autour d'un individu, il n'y a que des personnes qui sont incompétentes, alors le problème ne sont plus les personnes qui sont autour. Le problème, c'est la personne qui recrute que des personnes incompétentes. Donc, il faudrait remettre en question, comme nous le faisons, la présence. Au-delà de la question du hold-up électoral dont a bénéficié monsieur Félix Tshisekedi, il faut mettre en relief ce qu'il apporte en termes de management, en termes de gestion de la République. Il faut poser les bonnes questions. Selon vous, le problème, c'est le président lui-même, ce n'est pas son entourage. Je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'autour de M. Félix Tshisekedi, il n'y a que des personnes incompétentes? Il faut réfléchir et il faut essayer d'apporter réponse à cette question. Donc, il n'y a pas forcément celles qui sont autour. Lorsque vous entendez mes co-débatteurs, ils vous disent qu'il y a des choses, mais ils sont incapables d'en citer trois choses qui ont été faites. Lorsque vous entendez mes co-débatteurs, ils se plaignent. Non, mais non, comme si, comme vous citer. S'il veut, on peut lui citer. Mais ce attendez. Qui a été réalisé. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole. Je n'ai pas de budget. Déjà qu'ils sont à deux et moi je suis seul, ils m'interrompent. Donc j'espère que Dan vous prendrez en compte. J'en arrive. Il n'y a pas de problème. Monsieur Momo a dit que dans toute organisation, il y a effectivement des personnes qui sont incompétentes. Ben oui, hein, d'emblée comme ça, je peux citer Atundu, Beauchamp, Zakari Bababasse, Liaou, Mende, Lumanu, Mbosso. Voilà les personnes qui sont en train de décrier, qui ont détruit les pays hier, et ils sont aujourd'hui aux affaires avec eux. Parce qu'ils se plaignent que M. Félix Tshisekedi a hérité... Ils se plaignent que M. Félix Tshisekedi a hérité d'un pays désarticulé. Et les personnes qui ont désarticulé ces pays sont là. Bahati, on prend en tête d'affiche. Il y a Mende, il y a Sarkozy Babassé, il y a Liaou. Ils font partie de l'ancien régime des médiocres de Joseph Kabila. Que voulez-vous attendre de mieux en étant avec Félix Tshisekedi qui lui-même souffre d'un problème de leadership? Parce que si vous référez à la question de la guerre à l'Est, nous avons une armée qui a été indiquée comme étant la 9e puissance en Afrique. Alors pourquoi on n'arrive pas à bouter les M23 dehors? Pourquoi est-ce qu'on doit faire recours à une dizaine d'autres armées de la sous-région et d'autres régions pour venir intervenir? Parce qu'il y a un problème de leadership et de leadership au niveau de M. Félix Tshisekedi. Donc la question, elle est globale. C'est ce qui a été fait dans plusieurs domaines. Je ne vais pas dire, par exemple, ce qui est en train de se faire pour le ministère de la Santé, la couverture santé universelle. À part ça, il y a la suppression des taxes au niveau de... On a parlé d'une dizaine de taxes au niveau du commerce extérieur. La gratuité de l'enseignement. Il y a une conséquence importante sur la suppression d'ailleurs de la TVA jusqu'en décembre 2023. Je vous remercie de prendre parti. Laissez-moi maintenant répondre. Je vais parler sur la question du budget. Le budget, ils ont indiqué que voilà, ils étaient à 16 milliards. Pour arriver à un budget de 16 milliards, il faudrait mobiliser mensuellement au moins 1,5 milliard, 1,67 milliard.
Combien ils en ont mobilisé les trois premiers mois? 500 millions, 500 millions, autour de 500 et 600 millions. Donc ça veut dire que cette question est, se prouve à suffisance que c'est illusoire. Je sais qu'ils vont tambouriner en avril, parce qu'avril constitue une période d'échéance où il faut payer, les entreprises payent les impôts et plusieurs autres taxes. Je sais qu'ils vont tambouriner tout à l'heure. Mais la réalité est que la capacité de mobilisation réelle restera autour de 500, 600 millions, sans compter les dépassements budgétaires au niveau de la présidence de la République. Maquillage. Moi, je vais aller... C'est du saupoudrage, c'est du maquillage artificiel. Ils ont reconnu aussi que la question du panier de la ménagère n'était pas rencontrée. Le panier de la ménagère concentre toutes les évolutions. L'évolution au niveau salarial, eh ben, le panier de la ménagère l'en ressent. L'évolution au niveau de l'emploi, le panier de la ménagère l'en ressent. S'ils sont d'accord que le panier de la ménagère n'est pas au niveau qu'il devrait être, alors ils sont d'accord que tous les autres secteurs ne marchent pas. Tiens, le sport aujourd'hui, parlons de football, qui était le sport phare qui portait tous les autres sports. Et le championnat est à l'arrêt. Il n'y a pas de championnat. Bientôt, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fatigue cap qui vient de sortir de terre par M. Kaboulou, Mona Kaboulou. Une honte, alors que le championnat national pose problème et patine. On parle de la culture. Très bientôt, où est la culture aujourd'hui dans notre pays? Où est la culture? Aujourd'hui, les plus grands Congolais, ou alors les Congolais qui font beaucoup d'influence sur le plan culturel, sont ceux qui évoluent à l'extérieur du pays. Et bah, heureusement, on a encore quelques-uns, tels que les Fali, qui sont ici, mais qui doivent absolument aller à l'extérieur. Où sont passés nos valeureux Wenge de l'époque, JB, Wera, si on ne veut citer que la musique. Je ne veux même pas parler de l'art, d'autres formes d'art. J'ai demandé que vous me donniez le temps, parce que moi, je vais parler de manière très précise. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Monsieur Félix, Tshisekedi en Côte d'Ivoire s'est vanté d'avoir mis 100 élèves par classe. Et vous pensez qu'avec 100 élèves par classe, on sera capable d'apprendre de manière efficiente et cohérente, alors que les standards internationaux demandent 19 à 22 élèves pour un seul enseignant. Je veux parler de la question de l'inflation. Est-ce qu'il faut encore décrire la question de l'inflation? Est-ce qu'il faut encore parler de la question de l'inflation lorsque M. Félix Tshisekedi arrive en responsabilité? Alors, le prix, s'il vous plaît, laissez-moi, c'est très important ce que j'ai dit. Le prix du carburant était autour de 16 600. Et aujourd'hui, le prix du carburant est à 2 800. Parlons de la question. Il n'en connaît pas les causes. Parlons la question des emplois. Combien d'emplois avez-vous créé? Si ce n'est que les agences que M. Félix Tshisekedi a développées au niveau de la présidente, pour donner du travail à ses amis que vous appelez des Congolais, qui sont essentiellement expatriés, qui sont venus ici pour produire aucun résultat. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko. Il nous reste 7 minutes. On va donc prendre chacun 2 minutes pour boucler. Maître Freddy, vous vouliez donner des éléments importants. Oui, j'aimerais réagir à ce qu'il a dit ici. Et donner aussi les éléments qui ont été faits, les actions posées aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. On est à l'aise par rapport à cela. Et Badjoko vient de dire quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention. Il dit quoi? Il dit que le professeur Modeste Bahati a tué ce pays. Mais si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que Modeste Bahati faisait lorsque Kabila était au pouvoir, j'espère qu'il pourra vous donner la réponse. Il était qui? Il a occupé quel poste? À ce moment-là, nous allons faire le bon débat. C'était l'économie. Non, mais à ce moment-là, on va faire le bon débat. À l'économie, quand il était là, qu'est-ce qu'il avait fait? Lorsqu'il était au plan, qu'est-ce qu'il avait fait? À ce moment-là, on pourra faire le bon débat. On a posé une question simple à Fayoulou. Une question simple. Par Marius Munga. Aujourd'hui, si tu vois Kagame, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et quelle est ta formule? Moi, j'ai pensé que Martin Fayoulou allait sortir de son chapeau une formule magique pour résoudre la problématique de l'insécurité dans la partie orientale. Il dit, si je vois Kagame, je lui dirai, occupe-toi de tes oignons. C'est avec ça, justement, qu'on va résoudre les problèmes de l'insécurité. Martin Fayoulou voit Kagame, il lui dit, occupe-toi de tes oignons, et puis la guerre prend fin dans la partie orientale de notre pays. Et puis vous voulez me dire que nous avons des gens qui peuvent nous donner des propositions alternatives à ce qui concerne la gestion de ces pays. C'est pas modèle. Hein. Mais mon cher, vous savez, la critique, elle est aisée. Mais l'art. Mais l'art n'est pas facile. Ça, c'est juste au niveau de la question, d'abord. Il dit, non, occupe-toi de tes oignons. Et c'est sur cette personne-là que tu veux compter. Maintenant, on veut comparer une telle personne à qui on pose une question, qui répond comme ça, avec toute une désinvolture déconcertante,
voulait comparer cette personne-là au professeur Modeste Bahati. Mais, c'est les jours et la nuit. Il ne faut même pas parler du professeur Modeste Bahati de Fayulu. C'est les jours et la nuit. C'est les jours et la nuit. Merci beaucoup. Hein? C'est les jours et la nuit, mon cher ami. D'accord. En dehors de ça, il a encore dit autre chose en rapport avec les sports. Mais je vais l'informer. Les éléments importants. Mon cher ami, nous sommes en France. Je te donne l'exemple de la France. Vous avez des pays, des Émirats arabes unis qui vont supporter les clubs là-bas en France. Comment ça se passe? Ça s'est toujours passé ailleurs. Le football est supporté par des sponsors. Il y a des sponsors qui supportent le football. Mais ici, chez nous, la difficulté, c'est que même les transports, lorsqu'il y a par exemple la Lina Foot, les transports étaient pris en charge par l'État congolais. Tu peux t'imaginer? Avec quoi? Avec la conséquence que parfois la compagnie qui s'occupait du transport de ces joueurs a commencé à se plaindre. Vous comprenez? Parce que ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. L'État, c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Il crée seulement les cadres. Maintenant, c'est les restes, les clubs et les autres qui peuvent s'arranger pour que les championnats puissent vivre. Merci Donc, les championnats vivent avec les apports des sponsors. C'est comme ça que ça se passe partout dans le pays. D'accord. Joël Bongo. Dans les pays évolués. D'accord. S'il vous plaît. Pour dire que tout épuisée. Ne marche pas au pays, je pense que... Joël Bongo. Dan, vous avez compris avec moi que mon ami Yves n'a pas vraiment aujourd'hui des éléments. Raison pour laquelle il est en train de patauger dans tout ce qu'il est en train de dire. Alors, je vais lui informer que, tu vois, même sous d'autres siers, ce n'est pas le secteur public qui développe un pays, mais plutôt le secteur privé. Donc, le gouvernement est là pour aider juste avec sa politique adéquate aux fonctions des problèmes de ces pays. Et c'est le secteur privé qui développe un pays. Là, vous devez noter. Et notre pays, pour le moment, ça a été prouvé. Notre économie a besoin d'être diversifiée pour que nous puissions avoir une économie forte et résiliente. Si vous me dites le contraire, là, je serais étonné parce que ça a été déjà prouvé. Alors, je vais revenir par rapport à Martin Fayulu. Martin Fayulu, que vous êtes en train de dire aujourd'hui, il connaît qui est Jean-Pierre Bemba. Martin Fayulu est incapable de gérer ne fût-ce que la Mouka avec son frère du même coin. Et vous pensez quelqu'un de comme ça sera capable de gérer le Congo, le Grand Congo. Impossible. La Mouka, petit que ça soit, Fayulu n'a pas si géré ensemble avec son ami. Maintenant, il est des guéguerres. On ne sait pas qui est vraiment véritable président de la Mouka. Tantôt c'est vous, tantôt c'est l'autre côté. Alors, on se pose des questions. Alors, pour finir, je vais chiter à ce qui concerne la grande messe qui va se faire ce samedi. Ça sera la sortie officielle de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs. Par là, je suis en train d'inviter toute la population de la ville-province de Kinshasa, nous tous, de nous retrouver au Stade des Martyrs à 10h pour écouter le président de la République, pour écouter le président ainsi que le présidium, ainsi que d'autres partis qui constituent cette grande machine, cette force qui est l'Union Sacrée. Merci. En tout cas, nous avons pour ce week-end un seul rendez-vous. C'est pour ce samedi à 10h au Stade des Martyrs. Merci beaucoup, Monsieur Joël Bombo. Merci beaucoup, Monsieur Joël Bombo. Monsieur Yves Badjok, on termine avec vous. 2 minutes. Y a-t-il des éléments? Il n'y a rien dans la gouvernance du président Tshisekedi. Il n'y a rien de bon, selon vous. Ben. Vous êtes journaliste, prenez votre micro, allez poser la question à Bounagana, allez poser la question à Kishishe, à Rwangira, allez poser la question à Kwamout. Si vous avez la réponse, peut-être que vous allez me dire. Parce que vous pourriez avoir l'illusion de dire, voilà, les Quinois sont essentiellement opposants au régime. Ben, allez poser la question ailleurs et vous allez avoir les retombées. Allez poser la question aux fonctionnaires qui ont interpellé M. Mbombo sur la question de leur salaire. Allez poser la question aux taximens qui ont interpellé M. Mwamba sur la question du prix de carburant. Mais la réalité est là. La réalité, elle est obscure, elle est noire, et nous nous dirigeons pas de vers... Messieurs, s'il vous plaît, allez poser la question à ces populations, et vous êtes journaliste, et vous aurez la réponse à toutes ces questions. Aujourd'hui, voyez-vous, aujourd'hui, M. Mbombo dit que samedi, il y aura M. Tshisekedi qui sera dans un parti qu'il a voulu, parti État, pour parler aux Congolais. Mais leur parler de quoi? Pour leur proposer quoi? Alors qu'il est en fin de son régime. Alors qu'il a lamentablement échoué ensemble avec Bahati.
qui hier étaient dans la machine des médiocres, qui aujourd'hui des bâtons des idées, des bâtons des qui idées, qui se retrouvent encore aujourd'hui dans ce même carton. Donc, la question, elle n'est pas à pinailler, la question, elle est claire, elle est noire. Il vient de dire que nous sommes incapables d'attirer des sponsors pour soutenir notre sport. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu besoin d'être sur ce plateau parce qu'eux-mêmes ont donné tout ce qui n'allait pas bien dans notre pays, en parlant du pouvoir d'achat, en parlant de l'incapacité d'attirer des sponsors pour notre sport au niveau national, en parlant de questions de sécuritaire voilà, qu'ils ont hérité et qu'ils sont incapables à pouvoir solutionner. Monsieur Iqba, tout ce que nous disons, c'est que beaucoup. Nous constituons Monsieur, la fédération une alternative. C'est à la fédération d'organiser tout cela de telle sorte qu'on puisse attirer les sponsors. C'est la fédération. La fédération est apolitique, monsieur. Vous ne me protégez pas. Oh là là. C'était mon temps. Je veux finir. La fédération qui est l'organe technique du gouvernement qui peut faire tout cela. C'est moi qui conclue. Je vais finir par appeler les Congolais. Je vais appeler les Congolais et les Congolais ce 30 mai à vouloir marcher pour signifier leur désapprobation, compte tenu de la question de la vie chère, compte tenu de l'incapacité ou de la duplicité de ce gouvernement à résoudre la question de l'Est, et compte tenu des questions électorales que M. Kadima a privatisées. Merci beaucoup à tous. Mesdames, c'est quand même important que je revienne sur les réalisations du président de la République pour boucler la boucle. Quand vous donne la parole. Pour boucler la boucle, c'est important. Parce que je me suis rappelé. Les temps, c'est de l'argent à l'antenne. On reviendra certainement. Portez-vous bien et on se retrouve donc demain pour conclure la semaine. À bientôt.